Donc bonjour tout le monde, bienvenue ici sur le plateau de SMTV. Donc c'est Pierre-Emmanuel ici en direct de Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui j'ai une invitée inattendue qui est arrivée et qui va donner son témoignage. Et c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui est ici pour quelques années mais qui vient du Ghana. Donc aujourd'hui on a Nana qui est là avec nous. Bonjour Nana, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Ah, elle a parlé en français, parce qu'elle a dit non, je vais parler en anglais, je ne suis pas à l'aise avec... Elle maîtrise très bien le français, mais peut-être on va avoir de l'anglais aussi. Oui, mais alors j'ai avec français. Ah, ok, super, comme tu veux. Donc bienvenue Nana. Et donc tu vas nous donner un petit quelques mots de ton histoire, de ton témoignage, d'un message que tu veux faire passer aujourd'hui. Ok, donc du coup, je vais... Ok, donc je suis venue ici en France. En 2017, okay. En tant que volontaire, ouais. Avec l'organisation France Volontaire qui était au Ghana. D'accord. Donc du coup, j'étais engagée dans une école, ouais. Pour enseigner l'anglais. Ok. Donc c'était la première opportunité que j'ai eue, ouais. Pour voyager. Ok. Ouais. Et c'était ici en France. D'accord. Donc j'étais engagée dans cette école. C'était pendant 9 mois, ouais. Pour enseigner l'anglais et faire apprendre les enfants la culture africaine, des choses, okay. Comme ça. C'était bien intéressant. Okay. C'était bien intéressant. Mais au moment de venir, je me suis posé beaucoup de questions parce que c'était ma première fois et je ne connaissais pas beaucoup de choses sur ce pays. Ouais. Et donc, la chose qui était vraiment sur mon cas, c'est pour trouver une église. D'accord. Oui, comme je suis née dans une famille chrétienne, ouais. Et j'étais habituée avec des choses dans l'église. Donc du coup, c'était toujours... Oui, c'est vital pour toi. Quoi. Voilà, c'est ça. Tu as ça. Cette relation avec Christ et tu, ouais. Tu veux continuer. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, et j'imagine qu'en France et en plus ici en Auvergne, il y a beaucoup moins d'églises que oui. Au Ghana. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout à Saint-Éloi, ben, oui. Là où j'étais engagée dans cette mission. Ici, vraiment au fin fond de l'Auvergne. Hein. Voilà. Saint-Éloi-les-Mines, il faut aller chercher sur Google, mais ça existe. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai prié. Bah, j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Dieu, vraiment, si tu veux que je sois dans ce pays, bah, il m'en faut une église, okay, ouais. pour ma vie spirituelle, qui, ouais. Est vraiment importante pour moi. Ouais, ouais. Donc oui, donc, pendant ces 9 mois, j'étais avec une femme qui m'hébergeait dans sa maison. D'accord. Et bah, elle n'était pas chrétienne, ouais. Mais elle connaissait Dieu quand même, okay. comme tout le monde connaît Dieu. Mm-hmm. Donc un jour, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une église ici que je peux visiter ou je peux fréquenter, choses comme ça. Elle, mm-hmm. a dit oui, il y a une église catholique qui est juste à côté du collège. Ok. Et je me suis dit, non, je ne suis pas catholique. Ouais. Mais si je ne suis pas catholique, est-ce qu'il y a une autre église qui existe ici dans la commune? Heureusement, elle m'a dit oui. Et c'était pas loin de la maison, en fait. D'accord. Donc un jour, je suis partie faire un tour et j'ai utilisé la route qui est là où on trouve l'église, ouais. Et heureusement il y avait mission de gospel, oui, mm-hmm. C'était écrit sur le vitre, oui. Et en passant sur la route, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui faisaient la louange, okay. Et j'étais tout contente. Okay. Et je me suis dit, oh, quand même, il y a quelque chose de peu différent, ouais. dans ce coin, quoi. Dans ce coin. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'étais vraiment heureuse. Okay. Donc, le dimanche, j'étais contente. J'étais à l'église. Tu es venue à l'église le dimanche. Je suis venue à l'église. Dimanche, okay. J'étais tout contente. J'ai entendu le chant qui chantait. Et c'était le chant que je connaissais en anglais, en fait. Wow. Je me suis dit, c'est pas possible, ici, bah, ouais. Comment, ouais. Ça se fait qu'il chante de chant que je connais en anglais, mm-hmm. Donc j'étais contente, j'ai bien aimé l'atmosphère, okay. Tout. La première chose que j'ai fait, après le culte, je suis allée vers Sandrine, oui. Qui était la chef de louange, on va, ouais. dire comme ça, ouais.
Et je lui ai dit, je ne parlais pas bien le français en ce moment, donc je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux faire partie ou bien je peux faire partie de la groupe de louanges et des choses comme ça. Je lui ai demandé, il a dit, oh non, ça ne marche pas comme ça, il faut attendre un peu, il faut qu'on parle avec le Le responsable, pasteur, le pasteur. le pasteur avant que tu peux devenir membre. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas grave. Donc, je suis partie, déjà pour trouver une église comme ça, j'étais déjà Contente. contente. Ouais. Ouais. Donc, la semaine prochaine, je suis arrivée encore OK. et elle a dit, écoute, on a parlé avec le pasteur, on va voir ce qu'elle va dire. Donc, il y avait un samedi, ils étaient en train de faire la répétition D'accord. et je suis venue avec une petite guitare. OK. Et il y avait Pasteur Simone qui était là. Elle a dit, toi, tu mets à côté Sandrine et joue quelque chose. Fais comme eux, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai essayé de jouer quelque chose. OK. Et moi, je pense vraiment que ce n'était pas par hasard, c'était vraiment Dieu. Parce que dans mon cœur, pour venir, j'ai dit à Dieu que je veux te servir vraiment. Ce n'est pas le fait que j'ai quitté mon pays que je vais devenir quelque chose de différent, quoi. Je Ouais. dois continuer dans ce chemin que Ouais. Que tu avais déjà au voilà, pays, chez toi, bien que sûr. je connais. Donc, quand j'ai eu cette opportunité, j'étais vraiment heureuse. J'étais Ouais. vraiment heureuse. J'ai béni Dieu et j'étais tout contente. Donc, à force de servir, à force de s'engager dans cette, Dans on cette dirait, église, dans la église, louange. oui, dans cette église, j'ai eu beaucoup de bénédictions. OK. Et la première bénédiction, c'était Sandrine et Philippe qui m'ont proposé une chambre dans leur maison, en fait. Et en ce moment-là, je dois partir au Ghana OK. pour revenir pour poursuivre mes études. D'accord. Et donc, du coup, j'avais aucune idée comment ça va se passer ou si je vais revenir, en fait. Oui. Donc, même avant de partir, elle m'a dit, écoute, on a une chambre pour toi. Et je me suis dit, écoute, je veux partir, mais je sais même pas si je vais venir. Tu sais, donc, du coup, quand elle m'a proposé ça, je savais très bien qu'il y avait Dieu avait quelque chose pour moi dans cette église, dans cet endroit. OK. Et c'était vraiment pas par hasard, en fait. Ouais. Et jusqu'à maintenant, je sers dans cette église. Et c'était vraiment génial. Ma vie spirituelle, ça, comment dire, ça. Prospérer, augmenter. Oui, ça augmente en fait. Oui, Ouais, c'est ça, ça ouais, augmente, ouais. ça augmente, ça augmente. Wow. Et en fait, j'avais Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est un message pour tous ceux qui pensent que c'est au Ghana, qu'il y a le réveil et tout. Je regardais ici en Auvergne, il y a Saint-Éloi-les-Mines. Ah, elle a progressé spirituellement. Oui, c'est Ah, vrai. c'est super, c'est super. L'église m'a beaucoup aidée parce OK. qu'en fait, pour moi, j'ai eu quelques amis qui ont quitté les pays et après, quand ils reviennent, ils connaissent plus Ils ont Dieu, perdu la foi. ils ont perdu la foi, ils ont un comportement qui n'est Ouais. pas très bien ou Correct. bien Ouais, correct. ouais, ouais. Donc du coup, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté pour moi, je veux que je sers. Ouais. Je m'engage dans l'église et je fais ce que tu veux que je fasse. Et jusqu'à maintenant, je peux dire que ça bouge, en fait. Ouais. Ça bouge, ça a vraiment changé ma vie. Et en fait, il y avait quelques années, j'avais envie de quitter, en fait. J'avais envie de quitter cette région, OK. tu sais. Donc, je postulais dans une école de Ouais. commerce à Lyon. Ouais, d'accord. Et j'ai pas eu, en fait. J'ai fait le Ça n'a pas tour. abouti. Oui. OK. J'ai pas eu cette opportunité. Ouais, OK. J'étais déçue. J'étais vraiment D'accord. déçue. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Parce que pour moi, c'est ici en Auvergne, ici à Clermont, c'est vraiment petit, quoi. Il n'y Oui, a pas grand-chose. c'est Et vrai. il y a des fois, ce n'est pas intéressant pour nous, les jeunes. Ouais. Donc, du coup, quand j'étais rejetée, je suis venue ici à Clermont. D'accord. J'avais. Comment dire? J'étais inscrite dans une autre école. Ouais. Et ça a passé. Là, tout de suite. Là, tout de suite, j'ai eu des réponses. OK, ouais. C'était bon. Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas pourquoi. Ah. Mais vraiment, si tu veux que je reste dans cette église, dans cette Région, région, ouais. j'y reste. OK. Donc, je laisse. Comment tu vas le faire? Comment tu vas me conduire? Je t'écoute.
et je fais ce que tu veux. Et franchement, je suis dans la paix, je suis contente. Ça va, quoi. Ouais. Ça Et va en même très temps, tu bien. suis une filière d'études qui est satisfaisante aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, du Wow. coup, je pense que dès que j'ai quitté mon pays, Dieu, il avait un plan. Ouais. Et jusqu'à maintenant, je suis dans le plan Dans de ce Dieu. plan. Ouais. Et vraiment, je suis contente. Amen. Oui. Et une chose aussi qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en tant que jeune, c'est maintenant que tu dois engager dans l'église, dans les choses de Dieu. Parce que c'est le moment. C'est vrai. Oui, comme dit en Ecclésiaste 12, verset 1, tant que tu es jeune, c'est maintenant que tu dois engager avec toute ta force, avec tout ce que tu as. Parce qu'on ne sait jamais, quoi. C'est vrai. C'est maintenant. Et puis ça décide Oui, la trajectoire l'avenir. de ta vie. Voilà. C'est clair. Donc, du coup, c'est C'est ça ce que mon tu as témoignage. fait, Oui. c'est ce que tu as vécu, et Oui. tu es heureuse de ce choix finalement Oui, aujourd'hui. Ouais. tout à fait. Je suis vraiment Wow. contente. Même si c'est une petite église. Oui, mais. J'adore. J'aime bien. Ouais. Wow. Parce qu'au Ghana, c'était C'est une l'inverse. église qui C'est est très grande, c'est grand. très grand, il y a Ouais. beaucoup de gens. Tu n'as même pas l'opportunité de servir et tout. Ok. Mais ici, C'était très différent. Ok. c'était très différent. Selon Ah. le plan de Dieu. Ah, super. Merci beaucoup en tout cas pour te connaître aussi sur l'église. Je vois ton sérieux, je vois que tu es une vraie bénédiction dans l'église. Et aussi pour être pasteur ici à Clermont-Ferrand, où comme tu sais aussi, l'église ici, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger. Et ce que tu dis est vrai. On en a vu combien, des fois qu'on a récupéré des jeunes qui étaient dans l'église, qui étaient élevés dans des familles chrétiennes, et ils arrivent ici en Europe et ça va très très vite. Où les copains les amènent dans des lieux de débauche et Tout à fait. rapidement, des fois, des jeunes qui étaient chrétiens se retrouvent emportés et des choses graves des fois, hein, des jeunes filles qui tombent enceintes, qui passent par l'avortement. On a vu des situations comme ça. Donc, et les parents ont le cœur déchiré parce qu'ils ont élevé des enfants Voilà. pour qu'ils soient chrétiens. Voilà. Et je pense que ce que tu dis est vraiment important. C'est-à-dire que le but, avant même de réussir nos études, c'est d'être dans le plan de Dieu et de chercher un endroit où tu vas servir Dieu. Et Oui. même si la porte s'ouvre pas dans une université plus grande, Oui. mais peut-être que c'est Tout mieux pour toi de continuer à bâtir ton fondement en Christ. à fait. Et je peux vous garantir par expérience que c'est tellement vrai. Nous, on a vu des jeunes, ils ont fait des années ici, ils ont prospéré spirituellement, ils ont eu un changement dans leurs études, ils voulaient changer de ville. Et souvent, on leur disait, est-ce que tu es sûr de toi? Prie, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te conduit? Et des fois, les jeunes ont pris des décisions et des fois, au bout de quelques mois, spirituellement, donc c'est vraiment. Merci pour ton témoignage parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui voyagent vers l'Europe. C'est un autre monde. Oui, Et tout à fait. voilà. Et au niveau église, au niveau spirituel, c'est un autre monde aussi. Donc écoutez ses conseils, écoutez l'expérience de Nana aujourd'hui. Et c'est vraiment Matthieu 6, 33, moi, que j'entends dans ton message. Hein? Cherchez d'abord Oui, le. Voilà. royaume de Dieu, Gardez oui. cette priorité Oui. de Dieu, du service de Dieu. Oui. Et même si vous êtes venu pour faire des études, mettez-le en deuxième position. Oui, Si tout c'est à dans le fait. plan de Dieu, ça va prospérer. Et puis même matériellement, du coup, Dieu t'a aidé, t'as Ah des oui, tout à amis, fait. t'as une famille. Oui, ouais. Et ça se voit que tu es épanoui. Tout Donc, merci à beaucoup, fait. Nana, pour ton Merci témoignage. aussi. Merci à tous d'avoir suivi. Partagez aussi ce témoignage à des amis. Et je sais que ça correspond à des milliers de situations. Donc, merci d'avoir suivi. Merci, Nana, pour ton témoignage. Merci aussi.